crois qu'il arrive un peu comme un lâche. Il va payer sa lâcheté aujourd'hui. Il attend. Et il attendra que la justice passe et il fera pas appel quoi qu'il arrive. La seule chose, c'est qu'il soit sanctionné pour ce qui a été fait, c'est-à-dire un homicide involontaire, accident involontaire de la circulation avec un délit de fuite, ce qui relève effectivement d'une lâcheté énorme qu'il reconnaît totalement et il répondra de ses responsabilités.